Ça, c'est le screen de quelqu'un que je connais qui a investi 50 000 euros sur Fédération. Et ça tombe bien car je vais te parler de cet investissement aujourd'hui, Fédération, voici la présentation. Bonjour et bienvenue sur LPN Estomac, j'espère que tu vas bien. Oui, on sort la vidéo un jour exceptionnel, on n'est pas lundi. Mais c'est pour te présenter un investissement exceptionnel. Pourquoi un investissement exceptionnel ? Fédération, 20 à 25% par mois, passivement, sur l'immobilier en plus. Et je vais te présenter tout ça maintenant. Pour ceux qui ont connu iMarketing, c'est du même potentiel. Mais attention, qui dit même potentiel dit même risque. Pour ceux qui n'ont pas connu iMarketing, ça a transformé des vies, mais aujourd'hui ça n'existe plus. Donc attention, ceci n'est pas un conseil en investissement, on investit seulement ce dont on est prêt à perdre. Et bien sûr, fais toujours ton propre avis avant d'investir. Et donc on va commencer par le commencement, ce qu'est Fédération, et je reprends le PDF tout simplement en français pour te présenter. On va vraiment tout voir dans cette vidéo, comment faire des dépôts, des retraits, comment ça fonctionne, je vais t'expliquer tout simplement le fonctionnement. On va voir les documents légaux qu'il y a. C'est vraiment une présentation complète de A à Z. Donc le premier PDF, plateforme d'investissement immobilier pour tous avec des revenus réels. Là on peut visiter le site. Information juridique, là ce n'est pas un conseil d'investissement, etc. Investir dans l'immobilier, une valeur sûre. L'immobilier a toujours été un des investissements les plus stables et ça c'est vrai. Je te laisse lire si tu as plus envie. Comment nous allons nous développer à l'échelle mondiale? Donc comme on va le voir par la suite, Londres c'est le siège social. C'est là que l'entreprise est enregistrée. Mais ils vont ouvrir des bureaux à Paris, à Dubaï, à Singapour et à Hong Kong. À Hong Kong, les bureaux commencent déjà à être ouverts. Et tu vas voir que c'est tout récent, l'entreprise elle est ouverte depuis septembre seulement. C'est pour ça que c'est une opportunité en or, puisque le timing est parfait. Donc voilà le siège social, donc l'adresse, on retrouve partout sur les documents légaux, c'est à Londres. Alliance stratégique bancaire, ça c'est très important pour comprendre le fonctionnement et comment ils vont donner ces rentabilités-là de 20 à 25% par mois. Donc Citibank, Barclays et HSBC, que des grosses banques connues. C'est principalement avec Citibank qui travaillent, mais ils ont des partenariats aussi avec Barclays et HSBC. On gagne donc entre 0,66 et 0,83 par jour, donc c'est les rentabilités passives de l'immobilier. Ce qui fait 20 à 25% ici par jour. Donc les rentes tombent à vie, on va voir ensuite pourquoi et comment. 7 jours par semaine bien sûr, on peut réinvestir les bénéfices ou retirer les fonds à chaque fois. Donc comment ça fonctionne? Vous investissez, Fédération s'occupe du reste, donc c'est bien passif. Chaque semaine, le montant total d'investissement est utilisé comme apport pour crédit, c'est très important. Nous arrangeons des crédits avec les banques partenaires qu'on a vu juste au-dessus. En moyenne, nos banques partenaires exigent un apport de 10 à 13%. Donc tout simplement, il y a plusieurs clients qui vont venir déposer 1 million d'euros sur la semaine. Avec ces 1 million d'euros, Fédération va se rendre donc à la banque. Ils vont faire un prêt, donc avec un apport d'un million d'euros, et ils vont recevoir 10 millions d'euros pour investir dans l'immobilier. Dans l'immobilier, mais pas que. Nous achetons des biens immobiliers et nous les mettons en locatif. C'est principalement des investissements courte durée, donc dans d'autres pays. On n'est pas sur des investissements en Europe, sur des longues durées, car ça rapporte pas du tout la même rentabilité. Une approche diversifiée. Donc quand on dit qu'ils vont faire un prêt, ils vont investir 85% donc en immobilier, sur les 10 millions par exemple, l'exemple qu'on a vu. 2,5% vont servir pour le plan marketing. Et 12,5% dans les startups, ils diversifient quand même un peu. L'investissement dans les startups est le plus risqué, mais c'est l'un des secteurs les plus lucratifs au monde. Il permet à Fédération d'atteindre une croissance long terme. Ils diversifient le risque, donc 12,5% c'est pas la majeure partie du portefeuille, principalement donc en immobilier. Mais ils vont quand même prendre un peu plus de risque avec les 12,5% pour investir. Mais qui dit risque, dit aussi plus de rentabilité. C'est un risque coût maîtrisé donc. Donc ils investissent sur des startups mais ils vont analyser avant. Et ils investissent aussi, pour ceux qui connaissent, dans des seeds en crypto-monnaie. Donc tout simplement, quand tu lances une crypto-monnaie, tu as par exemple la pre-sale. Et bien avant la pre-sale, il y a la seed qui est réservée aux entreprises. Et donc c'est un prix encore plus bas. Après on a la pre-sale et après donc on a la vente à la sortie. Et donc à chaque fois c'est un prix qui monte et à la sortie, forcément ils peuvent revendre avec un prix beaucoup plus important et une marge beaucoup plus importante. C'est comme ça que tu réalises de gros bénéfices donc avec la crypto-monnaie. Et donc dans ces 12%, on a des startups et des seeds. Et donc seed, c'est de la crypto-monnaie, donc de l'investissement startup dans les crypto-monnaies quoi. Là on va parler aussi du plan marketing, donc comment il fonctionne. Oui, il y a aussi de l'affiliation sur Fédération. Au début, Fédération n'était pas lancée avec de l'affiliation. Et depuis un mois et demi, ça se met en place. Et donc, il y a de l'affiliation sur Fédération. Bien sûr, pour t'inscrire, tu retrouves tout simplement le premier lien en description. Et ça te met directement sur le site pour t'inscrire. Mais on va voir juste après comment faire l'inscription. Donc, comment ça fonctionne pour l'affiliation? Déjà, sur tous les dépôts de tes filleuls. Sur tous les dépôts de tes filleuls, tu vas toucher 10% sur tes filleuls directs. 3,5%, 3%. 2,5% ensuite pour les autres niveaux donc qui sont là, 1,5%, 1%, 0,5%, 0,5%, 0,5%. Ça veut dire que sur 10 niveaux, tu vas toucher des pourcentages sur tes commissions. Ça, c'est une fois donc, dès que ça dépose, tu vas toucher une commission.
Et ensuite, pareil, le bonus résiduel, donc ça, c'est des revenus récurrents. Et donc, encore une fois, sur tes 10 niveaux, donc là, les filleuls directs et ensuite les filleuls de tes filleuls, donc ton réseau global, tu vas toucher donc 10% de ce que tes filleuls gagnent direct. Et ensuite, sur ton 2e, 3e jusqu'au 10e niveau, tu vas toucher aussi un bonus résiduel. Donc sur les filleuls de tes filleuls, tu vas toucher 7% de ce que eux gagnent et ainsi de suite pour tous les niveaux. Et c'est pour ça que je te présente l'opportunité maintenant et que je te dis que c'est exceptionnel, car la puissance de ces deux bonus réunis, en comptant le timing, car on est vraiment au début de fédération, ça va te permettre de te placer haut et de toucher des bonus résiduels qui vont être très très intéressants. Donc pour récapituler, voici le schéma que je t'ai expliqué un peu plus haut, mais ici en image. Donc comment ils font pour sortir 20 à 25% par mois fédération, ce qui est pas mal vraiment en immobilier. Tout simplement, 1000 clients qui déposent 1000 euros, donc là on est en dollars mais je parle en euros, ça va faire un capital de 1 million de dollars. Avec ces 1 million de dollars, ils vont aller voir la banque, ils vont faire un prêt de 10 millions. Et sur ces 10 millions, ils vont l'investir en start-up, en achat et en location de propriété, car ils font aussi de l'achat-revente directement. Et un peu pour le plan marketing, que 2,5%. Donc quand tu as compris ça, tu comprends qu'en fait, toi tu investis, ils vont te sortir une rentabilité à 20 à 25% par mois. Et il n'y a pas d'intérêt composé dessus sur ce que tu investis. C'est seulement si tu réinvestis donc tes intérêts que là, il va y avoir des intérêts composés. Mais sur l'investissement que tu fais de départ, il n'y a pas d'intérêt composé. Ça veut dire que 20 à 25% c'est par mois réel. Et à chaque fois, c'est si tu redéposes ou si tu réinvestis que forcément tu vas refaire 20 à 25% sur ce que tu redéposes ou sur ce que tu réinvestis. Et donc quand tu as compris ça, tu dis que 20 à 25% c'est vraiment pas mal pour de l'immobilier. Mais quand tu as compris le pouvoir et le levier du crédit, tu comprends qu'en fait, ils déposent 1 million de dollars. Ils ont 10 millions de dollars, mais sur ces 10 millions, ils vont générer 60%, donc par exemple 6 millions de dollars. Et donc au final, ils ont fait que 60%, ce qui est vraiment possible avec ces 10 millions. Sauf qu'en réalité, ils ont fait 6 millions avec 1 million de départ. Ce qui donne une rentabilité sur ces 1 million de 600%, ce qui permet nous de nous redonner 20 à 25% par mois. Mais en soi, ils ne redonnent que réellement 2 à 2,5% sur ces 10 millions là. Mais comme on a utilisé le levier bancaire, ils nous redonnent 20 à 25%. C'est exactement ce que je t'ai dit, eux ils font 45 à 60% annuel. Et donc grâce au levier bancaire, ils font 450 à 600%. Et ensuite, ils redistribuent les bénéfices. Et bien sûr, ils s'en gardent une partie, 45 à 265%, pour justement développer leur business. Et au cas où s'il y a des mois plus faibles, permettre de toujours assurer la rentabilité et surtout la longévité de l'investissement. Et donc ici, on a la roadmap. Donc comment ça se passe? En octobre, ça a été créé, en septembre même, très précisément. Le lancement va être fait ce mois-ci, donc décembre 2023. C'est pour ça que je te dis que le timing est parfait. On n'est même pas au lancement, même si tout tourne parfaitement. Le lancement officiel va se faire dans quelques jours. Je te ferai de toute façon une nouvelle vidéo pour te présenter le lancement officiel. Donc après, ils vont s'attaquer au marché américain, tout ce qui est du côté de l'affiliation. Un premier événement à Dubaï en mars. Les bureaux qui vont ouvrir, donc Paris, etc. vers mai. En disant que Hong Kong, on a dit, c'est déjà ouvert. Je t'en parlerai aussi dans mes prochaines vidéos. Donc après, on a le développement dans le marché sud-américain. Ils sont aussi la volonté à terme d'avoir leur propre banque d'investissement pour ne plus dépendre de HSBC, etc. Mais ça, on y reviendra en temps voulu, car c'est que dans un an, quand on aura plus d'informations. Et donc, pour déposer, il n'y a pas de frais quand tu déposes, à part peut-être des frais externes, donc des partenaires pour déposer. Mais donc, tu peux déposer en crypto-monnaie, en carte, en virement, etc. Je vais te montrer comment faire. Sur les retraits, on peut retirer en USDT, mais ça va bientôt évoluer et il y aura plus de moyens de retrait. 3% sur les retraits. Et ce qui est important, c'est que les retraits se font rapidement sous 24 heures. Et je peux te dire que ça va beaucoup plus vite que ça. Des fois, c'est en 10-15 minutes. Donc là, on se retrouve sur le back office pour que je te montre comment ça fonctionne. Donc là, ici, ton dashboard. Ici, invest. Très important aussi, tu peux créer des tickets. Donc tout simplement, là, ici, support ticket, tu crées des tickets. Et vraiment, ça va te répondre en quelques heures, grand maximum. C'est vraiment bien, tu peux parler en français. Et après, c'est eux qui se chargent de convertir, de traduire, etc. Mais vraiment, un support très réactif, ce qui est très important. Donc ici, on a le dashboard, l'investissement, les plans d'investissement. Tout simplement, si tu déposes moins de 1000 euros, c'est du 20% par mois. Entre 1000 et 5000, 22,5 et plus de 5000, donc 25% par mois. Ici, tu retrouves tes investissements. Donc là, moi ici, 60 dollars sur du 20% par mois. Pour investir, c'est très simple. Tu vas venir déposer. Donc, add fund ici. Et ensuite, tu viens cliquer sur invest now. Donc après, tu cliques sur invest now et tu entres donc le montant que tu veux et ta balance. Donc là, tu retrouves tes transactions. Pour faire un retrait, ça, c'est très simple. Tout ce qui est plan d'affiliation, c'est ici, donc My Referral. Ici, tu retrouves ton lien. Par contre, le lien d'investissement, tu l'as seulement après avoir déposé. Et ce qui est logique, il faut tester le produit avant de le mettre en avant. Donc, tu ne peux pas faire seulement de l'affiliation, il faut investir. Et donc, tester le produit, ce qui est logique.
Donc ici après tu as les niveaux etc. Donc référent niveau, là tu as plus d'informations sur tout simplement tes membres etc. Combien tu as gagné. Donc ici on a dit le support. Et ici le dashboard. Donc par exemple on peut voir 60$ d'investi. Ça ces 60$ là il part donc sur Fédération. Et ensuite ces 60$ vont générer 20% par mois. Et donc ils vont se mettre dans Interest Balance. Donc c'est ta balance que tu as cumulée. Ces 60$ là c'est pas un capital que tu peux retirer, car forcément tu l'investis. Et ensuite Fédération vont l'utiliser pour utiliser le levier bancaire et ensuite investir. Donc c'est du capital que tu investis et ensuite qui va te générer des intérêts. Mais si tu veux retirer ce capital, tu veux pas forcément, car c'est parti dans l'investissement de Fédération et ils se sont servis. Ils peuvent pas te le redonner directement. Sinon ils seraient obligés de vendre un appartement si beaucoup retirent comme ça. Ce qui n'est pas le but du tout. Ici c'est d'investir et ensuite de générer du passif. Donc ces 60$ par exemple, et je vais bien sûr réinvestir par la suite, ils génèrent des intérêts. Et quand je t'ai mis le screen de quelqu'un qui a investi 50 000 euros, c'est du réel, il a vraiment investi 50 000 euros. C'est quelqu'un que je connais. Et bien sûr moi c'est pour créer un compte et j'en ai plusieurs, et je voulais te montrer celui là Donc ici tu as le bonus de l'affiliation, ici le total que tu as gagné, et ici Interest Balance que tu peux réinvestir directement. Do you want to reinvest your Interest Balance? L'anglais est toujours bancal. Et là tu peux réinvestir directement. Moi ce que je vais faire, c'est dès que j'ai 10$, je réinvestis chaque jour, pour justement faire grossir mon total investi et surtout faire grossir le revenu passif que je vais générer avec pour l'instant. Le but c'est de monter et ensuite quand on gagnera assez, faire des retraits chaque semaine. Donc pour déposer c'est très simple, add fund, ici, pay now, ça c'est en USDT, TRC20. Pour ton premier dépôt, si tu fais plus de 500$, tu as 50$ offert. Et ensuite tu peux payer aussi par carte, donc là pay now, tu mets le montant. Donc par exemple 100 ou 1000, je suis allé trop vite, 1000 pay now et ensuite tu as une adresse USDT, tu as juste envoyé, c'est très simple. Si tu veux payer par carte, je t'explique, ici, tu mets aussi le montant, on va remettre 1000, next, ici par carte, pay now. Donc là on a dit qu'on va investir 1000$ par carte, et ça passe tout simplement par du LTC, donc du Litecoins en même temps. Mais tu peux voir qu'on peut payer avec d'autres moyens de paiement, justement avec ce partenaire de paiement. Donc ici 1000$, ça représente 13,6 Litecoins, tu vas venir copier ici, venir coller ici, donc tes 13,6 Litecoins, et ensuite tu vas mettre procéder au paiement. Tu cliques ici sur procéder le paiement. Là tu vas mettre une adresse LTC. Ensuite tu continues, tu rentres quelques informations. Et après ça va te demander ton moyen de paiement. Et il y a pour des virements, tu peux payer par carte, tu peux payer par Apple Pay, etc. Donc vraiment c'est vraiment très pratique. Et ensuite bien sûr c'est crédité. Si tu n'es pas crédité dans les quelques minutes, je t'invite à aller faire un support. Ils seront réactifs et ils t'aideront et te créditeront directement. Et donc maintenant pour t'inscrire et passer à l'action, premier lien en description, tu arrives ici, c'est très simple, sign up, donc ici ça c'est ton lien d'affiliation, tu touches pas, username, tu mets donc un identifiant, un mail, un password, tu confirmes ton password, tu cliques ici et tu mets sign up. Et tout simplement tu t'inscris, tu as ensuite accès au back office qu'on a vu. Et tout simplement tu peux investir, et si tu investis tu peux ensuite faire de l'affiliation. Pour tous ceux qui investissent avec mon lien, on va créer une vraie équipe. Tous les mercredis et tous les dimanches il y aura des zooms, n'hésite pas à nous rejoindre. Ça va te permettre toi aussi de t'aider dans l'affiliation, parce que nous on va présenter chaque mercredi et chaque dimanche avec des zooms l'investissement Fédération. Donc vraiment ça va t'aider massivement à recruter, puisque tu as juste à partager. Et ensuite, les gens vont venir sur notre Zoom et on va tout simplement leur présenter Fédération. Bien sûr, on n'a pas vu les documents légaux, ça on va voir ça dans une autre vidéo. Mais on a des documents légaux, je te laisserai aller voir tout ça. Tu peux aller voir dans Home ici, Présentation, tu retrouves la vidéo. Et tu as aussi pas mal de documents légaux. Si tu veux aller les voir, je t'invite à les voir, c'est important d'aller les voir avant d'investir. Donc si tu veux les retrouver, c'est ici, Lego, et on retrouvera ça dans une autre vidéo. Tu sais tout de cet investissement, je vais te faire plusieurs vidéos qui vont arriver sur cette chaîne. Car qui dit investissement exceptionnel, dit vidéo exceptionnelle. Passe à l'action, premier lien en description. Tu étais sur Elpenes, c'était Thomas, à la prochaine. Ciao.